Bon, on est sur la pointe du Cotentin, en Normandie, et on va en Écosse. Parce que cette fois-ci, on a le rêve d'aller là-bas. Pour dormir dans un manoir. Alors, manoir hanté, manoir normal. On verra bien, ça sera la surprise. Manoir en ruine, on sait pas. En tout cas, pour le moment, on est tout seul, on n'a pas d'argent, pas de vêtements. Pas de vêtements, on est à poil. J'ai un peu froid. Il fait pas très chaud. Mais c'est pour ça qu'on va sortir de l'eau et se faire des vêtements. Allez, pour partir dès maintenant. Alors en fait, on vous a pas dit, mais on a trois caméras. On a celle-là et notre baluchon. Ouh là là. Avec celle-là et celle-là. Alors la texture est vraiment gélatineuse. Alors dans les fesses, c'est tout à fait particulier. J'ai pas envie d'être un gag ambulant, quoi. Je ne veux pas être un gag ambulant, dit le mec habillé en algue, quoi. Mais attends, mais pourquoi on pourrait pas s'habiller en algue? Là, on est en train d'agir pour la liberté vestimentaire biodégradable. Et comment alguez-vous? Ça algue, vous? Ça te dit un petit apéro au plantain? Wow, il est super fort celui-là. Les feuilles sont un peu vieilles, mais elles ont le goût de champignons, c'est délicieux. Et on a ça. Ouh. Et on essaye, on se nourrit que de façon sauvage pendant tout le voyage. Je sais pas si le côté juste sauvage, mais en tout cas, moi j'aimerais bien essayer un truc. On rencontre plein de gens dans nos voyages qui sont végétariens. Je suis pas végétarien. Mais en même temps, ça m'intrigue. Du coup, je crois que c'est ça que j'aurais envie d'essayer. Soit on trouve dans la nature, soit chez les ouais, gens. C'est ça, ouais. On se dit que fruits, légumes. Ouais. Allez. Bon, si on commence maintenant, je vais déjà finir ces murs. Je nous imagine dans 3 jours. Non. Vite, du jambon. Vite, un steak. Vous auriez pas un hamburger, s'il vous plaît? Ouh, exactement ce qu'il nous faudra en version écossaise, ça. En fait, ils ont mis un revêtement anti-homme pieds nus. Ça s'appelle le chemin du fakir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. On est deux voyageurs. On passe ici et on a vu votre maison, on l'a trouvée très très belle. Et on se disait, on avait envie de rencontrer les gens qui étaient là. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comme notre rêve, c'est d'aller en Écosse pour passer la nuit dans un manoir, on s'est dit, tiens, c'est assez rigolo de commencer ici, quoi. Ah bah la nuit ça tombe, la maison est pleine, tous les enfants qui vont arriver d'une ouais. à l'autre, donc là c'est un peu compliqué. Mais alors c'est pas forcément une demande d'hébergement qu'on fait, hein. C'est vraiment, l'idée c'était de passer 5 minutes ou une heure. Rentrer. Allez. Merci beaucoup. Vous pouvez peut-être boire quelque chose. Allez, merci. Pas une bonne route, alors c'est le début, alors. C'est ouais, tout début, ouais. Pouf. Je vais scotcher là. Une intensité ici, une intensité des lumières, des lieux. Ça fait 35 ans que je viens. À chaque fois que je rentre dans la maison, je fais le tour, que je regarde, même dans le coin, bah, je parle pas que de la maison, même les paysages à droite, à gauche, les fleurs, le jardin, la lampe. Je me dis putain, c'est beau. Je pense que d'une façon ou d'une autre, quand on est environné de beau, de beauté, il y a quelque chose en nous qui forcément change. Pendant, on a appris qu'il y avait un des types qui travaillait à côté, qui était un jardinier, qui s'était suicidé. Et je me rappelle que mon fils m'a dit « Mais papa, comment on peut se suicider dans un pays aussi beau ?» Merci beaucoup. Au revoir. C'est quoi ce truc? C'est un oubli. Et ben voilà. Je pense qu'il est là depuis un moment. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ah, mais vous êtes dans cette maison? La première. D'accord, bah, on a rencontré Emeric et. Ouais, Emeric et Sylvie. Et c'est lui qui nous a filé ce t-shirt. Ah, bah c'est sympa. Qu'est-ce qui va le mieux à l'un de nous deux? Plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Plutôt comme ça, ouais. Plutôt okay. Comme ça? Super. Oh. Merci beaucoup, je te remercie énormément mec, merci beaucoup. Hein. Super. Je vais avoir le t-shirt. Vous avez des algues, non? C'est comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben c'est notre façon de voyager. Ah d'accord, tout le temps comme ça? Ça, on s'est fabriqué notre jupe là sur la plage avec les algues qu'on a trouvées. Vous n'avez pas de slip? Non. C'est vrai? Non, vous voulez voir?
vite arriver au bout de ce village. Ah, mais... Il y a 4 maisons, quoi. Mais nous, on a besoin de 2 mètres carrés. Là, je m'en vais chez mes voisins et je sais pas à quelle heure je rentre, donc... Je sens qu'il y a personne ici. Là, ça commence à devenir assez froid. On sent que ça pique dans les jambes. Attends, déjà, on va passer en mode nature. Attends, mais c'est quoi, ça? Ah, c'est le phare qui éclaire comme ça. Ça, je commence à flipper, là. Bon, là, c'est la dernière maison du village qu'on a vu allumer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. On est désolé de vous déranger à cette heure-là. Vous savez, on vient de déménager. On arrive de Paris, c'est plein. Et il y a des amis qui sont venus. D'accord. Si vous voulez manger, c'est pas un problème, mais je vous dis, je sais pas où vous mettre, franchement. Déjà, juste manger un petit peu. Rentrez, vous avez. Oh, génial. Super. Parfait. Donc, merci. Voilà, ne soyez pas trop impressionnés, on a des oui. algues. Je suis un peu embêté, j'ai peur de salir le siège. Ok, merci beaucoup. Ouh. Ah, tiens, il y a une algue qui rentre un peu. Ah, oui. J'ai une boule là. Ouais, je les sens bien. La viande me fait envie, mais on a pris le parti pendant ce voyage de manger que des fruits et des légumes. Ça sent fort au truc, hein. Croyez en le porc. Bon, pendant qu'on discutait, apparemment, Marie-Paul est allée déblayer une chambre pour nous. Alors qu'ils sont en plein emménagement, qu'il y a le fils d'une amie qui est là. Adorable. En plus, si demain, il y a des travaux à faire, soit tondre la pelouse, ramasser des fruits... C'est très gentil, mais non. Ok. Oui. Merci beaucoup. Regarde. Après la douche. Oui. Est-ce que je peux te faire une bise? Merci beaucoup. De rien. C'est très important pour nous d'avoir un endroit pour dormir ce soir. Tu as dormi sans oreiller? Ouais, moi. Ouais. Ouais. J'adore. Ouais, mais là, ici, aux entours. Ah non, je la trouve cintrée, super. Ça vous va? En plus, c'est... Ouais, magnifique. C'est du 10 ans, ça, non? Ah ouais. C'est un peu short, mais ça passe. Bon, merci en tout cas pour tout ce ravalement de façade. D'accord. J'en suis à espérer qu'il va faire froid pour les causes du coup. Et on a marre. Oh, ils sont jolis. Belle épine bien dans le... C'est quoi ça? Un bar. C'est un bar. Qu'est-ce qui a pêché ça? Moi? Mais non. Là, en bas, là, sur le sable. Oh! J'ai pêché du poisson, là, je peux pas vous le faire partager, parce que... Moi, j'ai pas de poisson, donc c'est beaucoup de choses comme ça. Je suis un peu frustrée. Ouais. Les fruits, moi, bon, ils sont dans le jardin, point. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, mais bon. Une façon, du coup, de donner de l'amour. Voilà, je fais quelque chose, je le fais partager pour que la personne apprécie ou apprécie pas, je sais pas. Mais bon, j'aime bien. Ah. Ça me touche beaucoup que le fait du coup qu'on reçoive pas la nourriture que tu nous offres, toi ça te frustre. Et j'aimerais trouver un moyen de pouvoir recevoir l'amour que tu as envie de partager avec nous. J'aimerais beaucoup échanger avec toi une accolade. En tout bien, tout honneur. Ah ouais. Merci beaucoup. Rien. L'impression de donner là. Oui, c'est clair. Bon, c'est le grand départ là. Toute la famille s'en va, ils vont faire une excursion et nous, ben, on reprend la route.
un petit cadeau pour vous dire qu'on s'est senti comme des poissons dans l'eau. Ah, c'est gentil. Je crois que j'en ai jamais mangé autant de toute ma vie, quoi. J'ai les doigts tout rouges, tu sais. Tu penses que ça fait quoi comme type de transit? Yes. Bonjour. On va sur Cherbourg par la côte. Bon, on vient d'arriver à Cherbourg. Donc et là, c'est un peu changement d'univers. On passe de la campagne très bucolique du Cotentin à la ville. Il n'est pas n'importe quelle ville, puisqu'il y a des bateaux qui partent pour l'Angleterre et on a même entendu l'Écosse. Donc on va aller voir le port. On cherche à être équipé sur un bateau le temps du trajet. Ouais, mais nous on bouge pas en fait. On vient juste de commencer nos vacances, donc on va rester dans les alentours pendant les deux semaines qui viennent. Ah, ok. On a fini nos vacances, c'est fini. Ok, bon, c'est pas grave. Désolé, on n'a pas de place. Non, on va pas rentrer avant deux semaines. Ok, alors vous attend pendant deux semaines. Ok. Bah, on se retrouve ici. À 9h. Ok, 9h. On part demain. Ah, vous partez demain. À quelle heure? Vers 4h du matin. Nickel. Et pour aller où? Waouh, 4h du mat. Le mauvais temps arrive, donc on part tôt. Et il faut environ 12 heures pour arriver à Portsmouth. Portsmouth, c'est parfait. Vous avez vos passeports? Ouais, on a nos passeports, ouais. Vous les avez là? Wow. So great. Vous avez besoin d'un endroit pour dormir? Ah ouais, c'est vrai que si on commence à 4 heures demain... Ok, on se retrouve vers 6-7 heures alors. Super good. Ok, man. Aujourd'hui, c'est visite de Cherbourg. Alors, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le port Marie-Antoinette, les poubelles du port et du supermarché. Pour trouver au taquet de bouffe. Bonjour. On est deux voyageurs qui faisons une expérience un peu particulière puisqu'on va jusqu'en Écosse sans argent. D'accord. Du coup, pour se nourrir, on cherche à récupérer des fruits, des légumes, des graines. Bah, je vais regarder ce qu'on a. C'est salade, une salade. Ok, avec plaisir. Tofu. Super. C'est de qualité. Là, c'est du vagabondage de luxe. Hein. Ouais. Ah bah là, je peux pas dire, mais. Du coup, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, j'ai des idées. Avant d'aller en Angleterre, je suis en train de faire un peu le plein de nourriture française et de qualité parce que j'ai des croyances dans ma tête qui me disent que quand on va arriver en Angleterre, on va manger que du bacon. Ouais. C'est spécial. Bien sûr. Il y avait aussi des fermiers, des gens. Peut-être, ouais, après, modifier par la pensée. La modifier par la pensée? Ouais. Avant de manger. La pensée, c'est l'énergie. Mon père, il est au perché, attention. Il a décollé. Je crois que ça nous plaît bien. Là. Oh, t'as fait de la gueule. Un petit peu. Ça t'ouvre l'esprit. Non, j'arrête. Oh, mais c'est quoi ce délire? Waouh. Les suites. Et nous voilà, montez à bord. Bière, vin? Ah non, merci. Voilà votre cabine. Ça va? Comment tu te sens? Bourré. Bière, vin? Plus jamais ça.
De l'eau. Alors, il y a du poulet, du fromage. Et on a aussi... Oh mon Dieu, encore du vin. On ne mourra pas de faim sur ce bateau. Un verre de vin, monsieur, s'il vous plaît. Et bonne chance pour votre voyage. Qu'est-ce qui fait que vous voyagez ensemble? Moi, je suis officier de marine sur les bateaux commerciaux. Mais comme j'aime la voile, j'ai décidé il n'y a pas longtemps de m'inscrire sur un site pour en faire plus. On peut y trouver des équipiers ou des bateaux. Et j'ai trouvé Jim, qui cherchait du monde. Et malheureusement, il m'a contacté. Mais pas pour un rancard, hein. Avec Jim, j'apprends énormément. Hier, j'ai été capitaine pour la première fois. Et je serai capitaine demain. Ok, donc si c'est toi le capitaine et nous les équipiers, tu vas faire quoi, toi, demain? Moi, je pourrais me reposer. C'est assez dur de prendre les décisions en tant que capitaine. Dur? Mais c'est moi qui fais tout le boulot. Oh, dur. Ça, c'était hier? Oui, hier. Sérieux? J'ai fait ce voyage peut-être 50 fois et je n'ai jamais vu ça. Oh là là! Tu peux pas acheter ça avec de l'argent. Moi, je pense qu'ils sont venus parce que j'étais capitaine. Ils se sentent en sécurité avec moi. Ça peut paraître surprenant, mais j'ai accompli tous mes rêves. Oui, j'ai été vraiment très, très gâté. Parce que la vie est merveilleuse. Il ne faut jamais la sous-estimer. Ça ne doit pas être en permanence une ascension douloureuse, même si on a tous notre quota de drame dans la vie. C'est de regarder ce qui est négatif qui te fait redescendre. Il ne faut pas se laisser enfoncer. Regarde le positif. Regarde Gaza et vois la chance qu'on a. De l'eau fraîche, de quoi manger, la sécurité, de la lumière. Où est le problème? Tu peux manquer d'argent. Mais c'est pas parce que tu n'as pas un iPod ou un iPad ou une télé dernier cri ou un magnifique voilier. Mais j'ai de la chance. Je le dis tout le temps, j'ai de la chance. Alors, comment tu te sens ce matin? Stressé. Manoir hanté, on arrive! Tu dois rester à 0,18. Un peu mieux de comprendre la difficulté de la tâche qu'on vit aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme si on traversait l'autoroute. Il faut voir l'autoroute que c'est, quoi. C'est pas une autoroute de vélo, quoi. C'est des énormes cargos qui, eux, ont une inertie incroyable. Ils peuvent pas accélérer ou freiner très facilement. Donc, c'est beaucoup à nous de nous adapter. Faut constamment avoir un œil dessus. Et c'est parfois un peu stressant. Therefore, the bare necessities, the simply bare necessities, forget it. But you're always in your stride, but the bare necessities, from a simple recipe that brings the bare necessities of life. Bon que t'en fous bio là. Oh, attends, celui-là moi. Ouh. Ouh, ça se coule là. Man, est-ce que tu peux mettre une petite pièce qui reste? C'est chaud, man. Je vais essayer, mais. Oula. C'est déjà assez de couleurs comme ça. Man, tranquille. Quand t'as le mal de mer, tu fais pas le fier.
C'est l'humour qui va te sauver. Terre en vue. It's like the pirates. C'est comme les pirates. Comment tu dis en anglais? Land ahoy. Bienvenue en Angleterre. Well done, Captain. Non seulement Jim et Alex nous ont fait traverser la Manche. En plus, ils nous couvrent de cadeaux, ils nous proposent de rester dormir ce soir. Et ils nous invitent au resto. So gentlemen. Tu peux pas me l'offrir à moi. Excusez-moi, il y a tellement d'amour autour de cette table qu'on a envie de le partager. Ouais, on partage de l'amour. Tu es bien gentil. C'est vous qui l'avez fait ? Oui. Tu vois, je savais que ça allait pas être une soirée normale. Un bon tour, ça marche toujours. Ça va être bon d'être en Angleterre. Bon, comme on a pas mal de distance à parcourir avant d'arriver en Écosse, on va laisser nos deux amis là. Ouais, trop hâte de découvrir ces châteaux hantés. Bonne chance. Merci beaucoup. Non, c'était un plaisir. Et on voulait vous offrir quelque chose, si vous voulez bien fermer les yeux. Où est-elle ? La voilà. Merci, c'est très joli. Ah, t'as vu, je suis paumé. Ça fait pas tout de regarder à gauche. Je suis avec mon ami et on est deux voyageurs français. On va vers le nord. Non, je tourne là, désolé. Non, moi je vais par là. Ça marche pas tout le temps le stop. Wow, merci, merci de vous arrêter. Salut, je suis Les. Enchanté. Enchanté. Vous allez jusqu'où ce soir ? En fait, on n'en sait rien. Notre but, c'est d'aller jusqu'en Écosse. Vous pouvez rester chez nous ce soir si vous voulez. Sérieux ? Oui, on a déjà un couchsurfer à la maison. Vous devrez partager la même pièce, ça vous va ? Il est chinois, je crois. Est-ce qu'on peut cuisiner quelque chose pour vous ce soir ? Non, non, pas la peine. Gardez vos provisions pour la suite du voyage. Pourquoi allez-vous en Écosse ? On veut aller dans un château hanté. Un manoir hanté ? Donc vous pensez vraiment que les fantômes écossais sont plus effrayants, c'est bien ça ? Nous aussi, on a des fantômes effrayants ici en Angleterre. Ouais, mais les fantômes écossais sont plus connus. Vous êtes barjot. Coucou, Lizzie. Je tenais juste à m'assurer que ça vous dérange pas. Pas de souci, on vous accueille avec plaisir. Chen, ravi de te rencontrer. J'ai déjà oublié ton prénom. Hello. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Nance. D'où est-ce que tu viens exactement en Chine ? Du Sichuan, dans le sud-ouest. En fait, c'est pas très loin du Tibet. Nous, on est arrivés en faisant du voilier stop. Non, du voilier stop ? C'est incroyable. Ah ouais, c'était vraiment beau. Il faudrait m'apprendre à en faire du stop aussi. Je dois bien en être capable. C'est quoi tes plans pour les prochains jours ? Je vais à Londres. Parce que je me disais que peut-être on pourrait voyager ensemble. Mais vous allez à Londres ? Pas vraiment, mais on peut y passer si ça te permet d'apprendre à faire du stop. Ok, mais ça va pas être compliqué à 3 ? On peut faire du stop à 1, 2 ou 3, 4, c'est un peu plus difficile, mais 3, il n'y a pas de souci. C'est Lizzie la vraie artiste, moi je l'aide. C'est Obama. Et là, David Cameron, le premier ministre d'Angleterre. Il bombarde des gens.
Que voyez-vous? Oubliez les cordes. Moi, ça me fait penser à un arbre. Il n'y a qu'un axe possible. Comme ça, ou comme ça. Non. Ah, il y a quelque chose d'écrit. Oh, becoming square. Devenir au carré. C'est l'idée que pour nous, il y a une évolution constante. C'est comme dans un voyage. Ce n'est pas la destination, le but. Le voyage continue en fait sans cesse. Et la vie change tout le temps. Alors, vous allez voyager tous ensemble? Je peux me joindre à vous 5 jours maximum, si ça vous va. Tu fais 2 heureux, là. Votre façon de voyager, c'est tellement excitant pour moi. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai envie de me sentir libre, être ouvert à l'inconnu, au miracle. Ce soir, c'est un miracle pour moi. Ce genre de moment, ça compte vraiment parmi les meilleurs de ma vie. Rencontrer des gens comme vous, si attentionnés, généreux, j'en suis profondément ému. Tu sais, Lizzie et moi, on n'est pas très généreux. On a suffisamment de place pour trouver logique de la partager. On est si privilégiés qu'on en a trop, c'est tout. Lizzie, et si on les suivait? Je suis vraiment content de vous avoir croisé. J'avais pas compris que tu parlais français. Oui. Il a appris à l'université. Il est passé un mois à Bruxelles, en France. Il a voyagé beaucoup. C'est ça. Mais tu parles combien de langues? L'anglais, français, chinois, italien, un peu grec. Grec? Ouais. Japonais aussi. Six langues. Oui, j'ai étudié la littérature et les langues, donc... J'ai surtout appris à l'école. Bon voyage, les gars. On vous oubliera pas. D'habitude, on essaye d'attendre que les gens sortent de leur voiture pour éviter de leur faire peur. Et nous, maintenant, on est en vacances. Voilà. Allez, ouais. Ok, ça commence maintenant. Bonjour, excusez-moi. Nous voyageons et nous voulons aller en Écosse. En Écosse? Oui, je sais, c'est loin, mais est-ce que vous allez vers le nord? Non. Est-ce que vous allez vers le nord, vers Oxford ou Newbury? Non. Mon chien est ultra motivé, là. Il est en train de ratisser toute la station-service pour trouver une voiture. Château. Et je sais pas si vous avez vu, mais on a même le dessert qui est là. Très sucré. Bon, je sais pas si ce sera utile face aux fantômes, mais c'est impressionnant. La chaîne est très motivée et a énormément d'humour, ça fait vraiment plaisir de l'avoir avec nous. Les attentes en stop, ça devient presque un plaisir. Et là, il en faut parce que ça fait 2 heures qu'on attend ici, il n'y a aucune voiture qui s'est arrêtée. On en profite pour connaître un peu plus encore notre ami chinois et puis aller tout doucement en direction du nord de l'Écosse. Voilà. Bon là, c'est un peu particulier parce que donc Chen reste dans la voiture avec... Comment vous appelez? Meram. Meram. Maha. Et Mara. Et Mara, ok. Donc il reste avec Meram et Mara. À tout à l'heure. Et nous, on monte avec leur fils. What's comment tu t'appelles? Je suis Navi. Et voilà, quand on voyage à trois, parfois, il faut savoir se séparer. Allez, voilà. Yeah. Oh. My word. My word.
She's just a girl who claims that I am the woman. À partir de maintenant, on va commencer à chercher un endroit pour dormir parce qu'il se fait tard. Et après... Vous comptez dormir où? On sait pas. J'espère que quelqu'un pourra nous héberger. Tu crois que ça va marcher? Ouais. Enfin, j'espère. Ciao. On cherche une voiture qui va un peu plus au nord. Oh, désolé, on n'a plus de place. On a un bébé, des enfants et tout un bazar. Je suis désolé. Ah, vous allez dans le sud? Oui, au sud. C'est pas ma maison, donc... Je suis allé demander s'il y avait des restes dans un restaurant. Un hamburger tout chaud. C'est toi, ça te ferait plaisir de le manger? C'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Merci. Je croyais que ça allait te titiller, moi je suis assez en place avec ça. Il me reste une pomme et une cacahuète, c'est nickel. Et puis un haricot vert aussi cru. Ça se passe bien le hamburger? Ouais, bien. Ça ira, c'est la vie. Tu me fais halluciner, c'est pas mal, comme t'es. C'est pas mal. T'as l'air vraiment ouvert à vivre tout ce qui vient, quoi. Oui, oui, oui. Demain, c'est un nouveau jour. Une nuit, comme on aimerait bien en passer, pas trop souvent. Cette musique nous a accompagnés toute la nuit, avec un côté qui rend un peu fou. Trouver une voiture qui s'en va en direction de l'Écosse. Alors c'est plus qu'une voiture en fait. Waouh! Oh yo, oh, vous êtes un groupe de musique. J'arrive pas à croire la chance qu'on a de vous rencontrer. On est resté bloqué sur la station service depuis 8h du soir hier. Non. Ouais, donc on a dormi sur des bancs, mais on est hyper propre. On a pris une douche ce matin. Cette station-service est la seule indépendante d'Angleterre. Elle est tenue par une ferme d'ici. On n'y trouve que de la nourriture locale et biologique. Prenez tout ce qui vous fait plaisir. Parfois on dit, le chemin le plus court vers le cœur d'un homme, c'est son estomac. Et bien là, je suis complètement d'accord. Ils sont où les manoirs hantés là? Édimbourg est en ce moment très très animé. Il y a un énorme festival avec plein de musiciens dans la rue. Aujourd'hui à Édimbourg? Oui. Quel genre de musique vous faites? Ok. Une sorte de folk? Ça me plairait beaucoup de vous écouter. Vous auriez pas un CD qu'on pourrait se mettre là? On s'écoute pas nous-mêmes en voiture, non. C'est tellement beau. Y'a Chen. Chen qui trouvait des copines là. Et ça nous fait trop marrer parce que depuis tout à l'heure il parle. Du coup on le laisse tranquille. Puis j'enchaîne. Ça s'arrête pas. C'est le premier jour que j'en joue. Je l'ai acheté hier soir et je me suis entraîné toute la journée.
Pardon ? D'où est-ce que tu viens ? De Belgique. C'est une toute petite guitare. Et tu la donnes ? Oui, je vous la donne si vous la voulez. Mais c'est ta guitare ? Oui, c'est ma guitare. Et pourquoi tu la... J'en jouerai plus. Je veux me consacrer à la harpe. Parce que c'est l'instrument de mes rêves. Et pour le moment, tu dors dans la rue ? Oui, en ce moment, je dors dans la rue parce que j'ai perdu ma carte d'identité. J'ai de l'argent pour dormir dans une auberge de jeunesse, mais ils veulent pas de moi si j'ai pas de papier. Mais il fait pas trop froid la nuit ? Non, il fait pas froid du tout. J'ai beaucoup de vêtements ici, avec un sac de couchage. Je dors toujours dans la rue. Bon, et ben jamais 304. Noël se joint à nous. On va aller faire de la musique ensemble dans ce festival dans la rue. Et peut-être même gagner un peu d'argent, ça nous permettrait de continuer l'aventure tous ensemble. Tenez les gars. Vous pouvez tenir une scène pendant une demi-heure? Il y a une scène là. J'ai une centaine de personnes assises là-bas, sans musiciens. Vous voulez y aller ? Allez, c'est parti. Oh là 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 là, mais c'est quoi le... Ok, allez. Yeah. Hi. Ce groupe va jouer pour la première fois au Festival de Fringe. Ils ont arpenté les rues de France et les voici pour vous. Donc, venu de France, voici Nancy Moots. Merci pour eux. Avec mon ami Moots, on vient de France pour chanter pour vous ce soir. Mais il faut qu'on vous raconte le début de l'histoire. On a commencé notre voyage sans rien. Ce qui veut dire sans argent, mais aussi sans aucun vêtement. Complètement nu. Tous ces vêtements, c'est les gens qui nous les ont donnés. C'est pour ça que mon pantalon est trop court, que mes chaussures sont trop grandes. Alors, on est parti avec la question suivante. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de voyager sans argent et de compter sur la générosité des gens ? C'est quoi ce délire ? Tu sais combien il y a ? Non. Il y a 60 pentes. Et si avec ça, on ne trouve pas notre manoir ? Ça vous dirait d'aller dans un squat d'artistes ? Ouais, carrément, ouais. C'est une maison privée avec seulement des activistes, des musiciens, des créateurs. Les gens ont été très généreux avec moi. Sans eux, je serais déjà mort. Si personne m'avait aidé, je serais mort de faim. Oh, mort de faim ? Ouais. T'as galéré pour trouver la nourriture ? Ouais, pendant un temps. Aux Pays-Bas, j'ai dû me nourrir de ce que je trouvais dans les poubelles. C'était vraiment horrible. Et aujourd'hui, t'as quel âge ? 23 ans. Ça fait 16 ans que je vis dans la rue. 16 ans ? Ouais. Tu vis dans la rue depuis 16 ans ? Ouais.
Mais du coup, t'avais quel âge quand t'as commencé à vivre dehors? J'avais à peu près 8 ans et demi quand je me suis échappé de chez moi à cause des abus et des viols que je subissais. J'ai dû me prostituer pour avoir de l'argent et pour pouvoir manger. J'ai aussi été avec des homosexuels qui me payaient pour mes services et pour de la cocaïne. Je la sniffais ou je la fumais. Comme ça, je me sentais plus en mesure de coopérer. Bonne nuit. Bon, voyager à 4 en stop, c'est trop compliqué. Chen s'en va dans 2 jours, du coup. On a gagné un peu d'argent et du coup, on va se faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans ces voyages. Louer une voiture. Alors là, c'est une nouvelle aventure qui commence avec la conduite à gauche, avec bien sûr le volant à droite. Ça me fait flipper d'un coup. Oui, les pédales sont dans le même sens. Ça, c'est cool. Château, on a un autre là, un autre là. Ouais, donc c'est peut-être par là qu'il faudra aller pour trouver notre manoir. Quoi. Ouais. Chose là de ce manoir. Je suis un peu inquiet là, il y a le soleil qui se couche. Notre budget, ça nous a juste permis d'avoir la location pour une soirée. Donc le manoir, notre château là, c'est ce soir qu'il faut le trouver. Voilà. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ressemble à un manoir. Le château, c'est parfait. C'est mon rêve. C'est ton rêve. Ok, il y a du monde là-dedans. Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Sorry for désolé de vous déranger à cette heure tardive. On a fait tout le chemin depuis la France dans le but d'aller voir un château en Écosse. Et ça, c'est notre rêve. On a commencé tous les deux en France, sans argent. Et sur notre chemin, on a rencontré Chen, de Chine. Et après, Noël, à Édimbourg. Enfin, je suis de Belgique. Mais quoi, vous venez vous inviter à dormir à 9h du soir chez moi et vous voulez que je vous donne quoi, 4 chambres? On peut tous dormir dans une seule chambre. Attendez une minute, attendez.
Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est parce qu'on a commencé notre voyage sans rien. Dans quel but? Le but, c'est de savoir si aujourd'hui, sans rien, sans argent, sans vêtements, est-ce qu'on peut réaliser nos rêves. C'est pour ça qu'on est parti de zéro, et c'est les gens qui nous ont tout donné. Et ce soir, c'est la fin de notre voyage, c'est notre rêve, et on voulait venir ici. Comment pouvez-vous espérer que je dise à quatre personnes que je n'ai jamais vues de ma vie que je vais les inviter chez moi? Je ne peux pas faire ça. En fait, dans ces voyages, on veut prouver que les miracles sont possibles. Entendons-nous bien, je vous aime bien et j'aime bien m'amuser. J'adore l'idée. Mais je ne peux pas vous laisser entrer chez moi, je ne peux pas. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup d'être sorti nous parler. C'était plutôt courageux, non ? Notre chambre. Moi, je me sens pas trop d'humeur à chercher un autre château. Je préférais qu'on passe du temps tous les quatre. On a encore de l'argent. On peut aller s'acheter de la nourriture, non? Mon père est vraiment diabolique. Attends, donc ton père, il mettait de la drogue dans? Dans mon dîner. Quand ma mère était jeune, elle avait droit au même service. Et pour quoi faire? Pour la violer. Il y a encore 2 ans, je faisais une grosse dépression. En fait, pendant toute mon adolescence, je déprimais. Jusqu'à mes 19 ans, je fumais énormément de cannabis. Franchement, je fumais vraiment beaucoup. Mon image de moi était détruite. Je me détestais moi-même. J'étais si malheureux de tout ce que je vivais. Mais j'ai changé après avoir passé la vingtaine. J'ai décidé de me prendre en main. J'ai décidé de m'ouvrir aux autres, de les laisser m'aider. Parce que c'était moi qui étais aveugle. Il y a 2 ans, j'étais complètement aveugle à cause de tout ce qui s'était passé, à cause de tous les abus que j'ai subis par le passé. Je ne pouvais pas m'aimer. Si tu choisis de t'ouvrir aux autres, si tu t'isoles pas, si tu t'aimes toi-même, les autres t'aimeront. Voilà, ils t'aimeront, mais tu dois leur montrer de l'amour d'abord. Sourire, être heureux, positiver soi-même, tout commence par soi. Ça paraît bizarre, mais c'est la seule chose que mes voyages m'ont appris. J'ai l'impression que tu as appris beaucoup de tout ça. C'est une excellente leçon. Ouais, t'en apprends tous les jours. Et il n'y a rien de plus beau que la vie. Chen repart aujourd'hui de Londres pour la Chine et ils y vont en stop avec Noël. Donc on va les laisser près d'Édimbourg pour qu'on puisse rendre la voiture. J'ai tellement appris pendant ce voyage. Pour moi, c'est pas juste une histoire de château, mais de rencontre avec des gens. Et d'amitié avec vous, les gars. Je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé un château dans nos cœurs. Je suis tellement content que vous continuiez la route ensemble. C'est un nouveau départ. J'ai été complètement changé par vous trois. Vraiment. Seeking a castle, and we travel the world. Thank you. Quel voyage, quoi. Comme c'était dense. Et je crois que je me sens chanceux de pouvoir faire ce voyage et pouvoir côtoyer avec autant d'intimité ce qui se passe dans la vie des gens. Ouais, c'est tellement riche, tellement, tellement nourrissant. Une sorte de courir. Faut partir un poil.